Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Mon cœur se serra une fois de plus lorsque j'entendis la tragédie. La terrible tragédie que la plupart des gens évitent. La Caroline du Sud était la source de l'histoire cette fois. Le crâne d'un bébé était fendu et il souffrait d'une hémorragie cérébrale. Le nourrisson était très émacié et souffrait d'un syndrome du bébé secoué, recevant tout juste assez de calories pour maintenir son cœur en marche. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons d'une mère qui laissa son bébé auprès de son père. Une heure plus tard, elle fut choquée de voir sa tête. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. C'est un scénario que vous n'avez probablement jamais entendu ou lu auparavant. C'est un sujet que la plupart des gens ignorent au profit de la lecture des derniers scandales d'Hollywood, de la lecture de la dernière star de la télé-réalité ou de l'inquiétude concernant leur équipe de football préférée. En réalité, il s'agit d'une histoire bien plus horrible que la plupart des gens ne reconnaissent tout simplement, parce qu'elle est juste horrible. Cheyenne Rae Owensby était tout simplement miraculeuse. Elle était née forte et en bonne santé, et elle était la fierté et la joie de sa mère. Comme ses parents s'étaient séparés, elle ne voyait son père que tous les deux week-ends. Cependant, un événement malheureux se produisit un jour où sa mère la laissa avec son père. Une heure ou deux après avoir laissé son enfant avec son père James Davis Jr., elle reçut une terrible nouvelle qui allait avoir un impact sur toute son existence. La petite fille n'avait que 8 mois à l'époque. James Davis, son père, affirma avoir perdu la tête, l'avoir prise dans ses mains et l'avoir secouée car elle n'arrêtait pas de pleurer. Sa puissance d'adulte était apparemment trop grande pour le petit corps de la fillette, si bien que son père lui brisa le crâne et provoqua une hémorragie cérébrale. Malgré cela, aucune punition ne pouvait compenser ce qu'il avait causé à Cheyenne. Il est difficile de comprendre qu'un parent puisse être aussi peu soucieux du bien-être de son enfant, mais cela peut arriver. Cette mère avait laissé son bébé dans une voiture en chauffage. Heureusement, un passant se précipita au secours de l'enfant. La mère désemparée apprit que son bébé était arrivé dans une clinique du comté et qu'il avait cessé de respirer. Lorsque la maman se rendit à l'hôpital, elle fut informée que sa fille pourrait avoir besoin d'un traitement spécialisé à vie, même si l'enfant ne restait pas dans un état végétatif. Après avoir entendu cela, elle commença à implorer Dieu de la prendre, elle plutôt que son enfant. Le téléphone se remit à sonner et elle apprit que son ex-mari avait reconnu l'avoir secouée et qu'il y était allé un peu fort. Le syndrome du bébé secoué, également connu sous le nom de traumatisme crânien grave, de trouble d'affect secoué caractérisé, de traumatisme crânien infligé ou de syndrome du cou du lapin, est une lésion ou un dommage cérébral important lorsqu'un nouveau-né et un enfant en bas âge est violemment secoué. Les cellules du cerveau sont détruites par le syndrome du bébé secoué, ce qui empêche le cerveau de recevoir suffisamment d'oxygène. Le syndrome du bébé secoué est une forme de maltraitance qui peut laisser à l'enfant des lésions cérébrales permanentes, voire la mort. Ce syndrome peut être évité. Les autres personnes qui s'occupent de l'enfant peuvent être sensibilisées au risque de ce syndrome par les membres de la famille. Il se peut qu'il n'y ait aucune trace visible de blessure physique sur le corps de l'enfant. Le visage peut parfois présenter des cicatrices, les saignements dans les yeux et le cerveau, les traumatismes de la colonne vertébrale ou les blessures de la cage thoracique, du crâne, des membres et d'autres os sont autant de traumatismes qui peuvent ne pas être visibles tout de suite. Ce syndrome touche de nombreux bébés qui présentent des manifestations cliniques de mauvais traitements antérieurs. Un nourrisson peut sembler aller bien après avoir été secoué dans les formes légères du syndrome, mais il peut aussi acquérir des difficultés physiques ou comportementales avec le temps. Sachez qu'une simple secousse de la tête d'un nourrisson peut entraîner des lésions cérébrales permanentes. Le syndrome du bébé secoué tue beaucoup d'enfants. Les survivants de ce syndrome peuvent avoir besoin de soins hospitaliers à vie pour des affections telles que la cécité partielle ou complète, les troubles du développement, les défis cognitifs, les problèmes de comportement, les déficiences intellectuelles, les maladies neurologiques et la paralysie cérébrale. Les spécialistes se battaient pour la survie de Cheyenne quelque part dans l'établissement où elle était destinée à passer le reste de sa vie dans le coma. Et puis, le miracle se produisit. Bien que la moitié de son cerveau devait être enlevée chirurgicalement, la petite fille se réveilla avec la capacité de communiquer et de bouger, bien que son côté droit ait été paralysé. Ses blessures étaient si graves qu'on avait interdit à sa mère de la toucher juste après la tragédie, de peur de provoquer une activité cérébrale qui pourrait lui nuire. Malgré tout, Cheyenne sortit de l'hôpital quelques mois plus tard, un miracle pour tous ceux qui l'avaient connue. La mère de Cheyenne était fière de sa bravoure, de sa volonté de vivre, de sa détermination et du chemin qu'elle avait parcouru. Elle réfutait constamment les théories du docteur. Si les spécialistes lui disaient qu'elle ne pouvait pas, elle leur prouvait qu'ils avaient tort, partagea sa mère sur Facebook, appelant Cheyenne son bébé miracle. Aujourd'hui, Cheyenne peut parler et courir comme les autres enfants de son âge,
Trois ans après l'accident et après de multiples interventions chirurgicales, programme de traitement et comparution devant le tribunal. La maltraitance des enfants peut avoir des effets considérables. Depuis plus de 30 ans, les cliniciens étudient l'impact de la violence et de la négligence envers les enfants sur leur développement physique, émotionnel, intellectuel et interpersonnel. Des blessures mineures aux lésions cérébrales irréversibles, voire la mort, font partie des répercussions physiques. Les conséquences psychologiques peuvent aller d'une faible estime de soi à une dissociation extrême. La maltraitance a de nombreuses implications cognitives, allant de problèmes d'attention et de difficultés d'apprentissage à de graves maladies organiques du cerveau. La maltraitance a un large éventail d'effets comportementaux, allant de terribles interactions avec les pairs à une conduite incroyablement violente. Par conséquent, les conséquences de la maltraitance ou de la négligence ont un impact tant sur les victimes que sur la société dans laquelle elles vivent. En raison de nombreuses complications, il est difficile de saisir les circonstances et les relations qui intensifient ou réduisent les effets des événements violents. L'écrasante majorité des enfants maltraités ne présentent pas d'indicateurs de détresse significative. Selon les études, il existe un lien entre la maltraitance infantile et une série de conséquences à court et à long terme. Les répercussions de la victimisation sur les enfants, les adolescents et les adultes sont encore une source de beaucoup d'incertitudes et de débats. Le lien entre les origines et les résultats de la maltraitance infantile est terriblement complexe car certains éléments, notamment le faible niveau intellectuel de l'enfant, peuvent encourager un comportement inapproprié de la part du parent ou de la personne en charge. Un QI faible, en revanche, peut être le résultat d'une maltraitance dans la petite enfance. Pour en revenir à Amy Owenby, elle partageait avec enthousiasme la nouvelle sur sa page Facebook. Les images adorables de son énergique enfant de 3 ans avec ses plus de 200 000 adeptes des médias sociaux. Elle remercia tout le monde de les avoir aidés, pria pour eux et souhaita à sa fille une joyeuse survie. Cheyenne avait été traumatisée par son père pendant 3 ans. Cela fait 3 ans qu'Amy Owensby a été informée que Cheyenne ne survivrait pas cette nuit. Cela fait 3 ans que son cœur a cessé de battre, qu'on lui a enlevé la moitié de son cerveau et que leurs vies ont été transformées à jamais. Amy est si reconnaissante que Cheyenne soit toujours là avec elle, montrant que les miracles se produisent et affirmant qu'elle adore Cheyenne. Elle affirme que celle-ci souffre encore quotidiennement des effets persistants de ce qui lui est arrivé lorsqu'elle était nourrisson. L'absence de cerveau, principalement du côté gauche de sa petite fille de 4 ans, faisait qu'elle avait du mal à bouger son pied et sa main droite. Amy Owensby fit savoir sur Facebook que Cheyenne avait du mal à tenir simultanément une poupée et sa tasse. Elle devait choisir laquelle elle préférait garder à ce moment-là, car l'une de ses mains ne fonctionnait pas. Elle expliqua que Cheyenne devait fixer des objets à 5 cm de son visage en raison des dommages causés au nerf optique par le saignement de son cerveau après avoir été secoué. « Je l'observe en train d'essayer si désespérément de faire ce que les autres enfants font. Et mon cœur se serre un peu plus chaque fois qu'elle n'y arrive pas. » Monsieur Davis, chauffeur de camion, plaida coupable de délit de maltraitance d'enfants, causant des blessures physiques graves. Dans le même temps, le juge Derham Cole prononça une peine de 20 ans, différée après 10 ans de travaux et 5 ans de probation. Selon le Spartanburg Herald Journal, Davis se sentait coupable d'avoir secoué violemment son enfant quand il craqua. Cheyenne Ray aura besoin de 2 autres opérations chirurgicales pour grandir et profiter de la vie selon sa mère. Amy Owensby cherche à faire prendre conscience du mal qui peut être infligé à un nouveau-né ou à un petit enfant en le secouant et en créant un traumatisme irrévocable dans un moment de colère. Il suffit de quelques minutes pour tout altérer complètement, selon Amy Owensby. Quelques instants de rage et de fureur peuvent conduire à l'inimaginable. Le syndrome du bébé secoué est beaucoup plus fréquent que nous ne l'avions prévu, et cela doit être reconnu. Malgré le handicap de Cheyenne, elle avait une formidable passion pour la vie. Pour l'instant, elle s'épanouit et devient une jeune femme joyeuse. Les enfants de votre propre communauté sont les victimes de cet acte horrible, même aujourd'hui, pendant que vous regardez ceci. De plus, les prédateurs et les agresseurs pourraient être vos collègues de travail, des membres du clergé, des voisins ou même des personnes qui participent à votre réunion familiale annuelle. Ce n'est là qu'une des nombreuses histoires d'enfants victimes d'abus. Qu'un enfant soit témoin de violences verbales ou physiques, qu'il entende des menaces ou des bruits de violence, ou qu'il envoie les signes sous forme de saignements, d'ecchymoses, de vêtements déchirés ou d'objets brisés sur une victime, les répercussions sont néfastes à plusieurs égards. Les enfants de notre société sont victimes d'une épidémie nationale de maltraitance commise par des parents qui prétendent le plus les aimer. Pour un enfant, le simple fait d'être témoin de violences domestiques peut être traumatisant. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.